messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui signe son grand retour après pratiquement 4 mois d'absence dû au coronavirus. Comme vous le savez, cette pandémie qui décime l'humanité et la RDC, notre pays, n'a pas pu s'échapper à cette maladie. Nous sommes de retour pour parler de l'actualité, commenter et analyser le fait d'actualité qui reste dominé par la démission du vice-premier ministre Célestin Toundaïka-Sende. Ça a eu lieu le week-end dernier. Toundaïka Sende qui a enfin rendu l'établier, il est disposé maintenant à faire autre chose. Et puis on va aussi évoquer la question des marches anti-Ronsard Malonda qui a été nommé président ou intérimé président de la CENI par l'Assemblée nationale. Désignation qui a suscité la marche à travers toute la République, d'abord l'UDPS, les CLC, les mouvements citoyens. Aujourd'hui, lundi 13 juillet, la MUCA a également marché. On va essayer de décrypter cette situation avec un jeune journaliste des formations et des professions. Patrick Lokala, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, cher ami. Merci de l'invitation. Je suis le patriote Patrick Lokala, observateur indépendant. Alors, vous rapproche, vous affichez un peu trop votre appartenance tribale, on dit de vous, vous êtes beaucoup plus engagé dans les questions qui concernent votre province, la province du Sankourou, alors que dans tout ce qui se passe sur d'autres provinces, vous n'en dites pas. Non, pas du tout, c'est-à-dire que ce sont mes détracteurs qui estiment que ce que je fais pour le Sankourou, je devrais le faire pour d'autres provinces, peut-être que ils ne me suivent pas partout, je parle de toutes les provinces de la RDC, mais actuellement, après un passage au Sankourou, je me concentre beaucoup plus sur les questions nationales. Et on ne peut pas être nationaliste sans pourtant avoir une aile sur ce qui se passe dans la propre province. Ça serait de l'ingratitude vis-à-vis de ces qui vous ont mis au monde, qui vous ont éduqués. On ne peut que les rendre là sincères, mais la situation de toutes les provinces nous préoccupe. D'ailleurs, ceux qui me connaissent et savent que dans toutes les émissions où je passe sur le plateau de télévision, je ne commence pas une seule émission sans penser à mes frères et sœurs de l'Est de la RDC qui souffrent tout le jour. Vous voyez, ils traversent une situation très difficile, l'insécurité, des mutilations, des violences sexuelles. Et au grand, sans que Kinshasa puisse apporter la solution efficace. Donc, c'est aussi une situation qui m'est chère. Je parle aussi de la balkanisation de la RDC. Je suis contre la balkanisation. Et j'ai toujours dit que la RDC aujourd'hui ressemble à un pays dont les frontières sont définies par les pays voisins. Vous prenez nos frontières avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, les frontières sont presque vides. Je vous informe, si vous n'êtes pas au courant, que d'ailleurs, dans l'une de nos parties, c'est la monnaie rwandaise qui est utilisée et c'est l'électricité rwandaise qui est utilisée alors que nous avons le plus grand barrage de l'Afrique. Vous prenez notre frontière avec l'Angola, c'est quasiment vide. Vous prenez notre frontière avec la Zambie, dans la province de Tanganyika. D'ailleurs, l'armée zambienne est venue et à un moment donné avait planté son drapeau. Vous prenez la frontière avec le Centrafrique, c'est vide. Donc, nous vivons dans une situation d'insécurité généralisée. Cela prouve que je ne parle pas que de ma province, vous voyez. Et puis, ceux qui m'accusent ont tort de croire que je parle que de ma province, alors qu'ils ne me suivent pas partout où je passe. Il faut se dire que de temps en temps, vous rencontrez des problèmes avec certains dignitaires du régime passé lorsque vous dénoncez tout ce qui se passe au Sankourou. Oui, mais effectivement, lorsque nous dénonçons ce qui se passe au Sankourou, cela fait mal à ceux qui ont eu à gérer les Sankourou pendant un moment. Mais le plus grand problème du Sankourou aujourd'hui, c'est son gouverneur qui fait preuve d'une certaine incapacité à être à la hauteur des enjeux de la province. C'est lui-même qui a été préféré à la mer Mende. C'est lui-même que j'ai soutenu, mais dont je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus penché vers sa famille et ses amis plutôt que de se concentrer à la gestion de la province. D'ailleurs, il est le seul gouverneur de la RDC qui, aujourd'hui, totalise plus de 6 mois à l'extérieur du pays. Et c'est là, à la plus grande souffrance de sa population, qui se voit éloignée de ses dirigeants. D'ailleurs, cela viole scrupuleusement les articles qui parlent du rapprochement entre les gouvernants et les gouvernés. Cela viole la loi sur le démembrement, la décentralisation. Donc, je continue de croire que ce gouverneur ne sera pas à la hauteur et qu'il faille
s'il a la conscience, s'il a le patriotisme, pourtant, vous avez vanté les capacités managériales. Oui, mais à un certain moment, nous avons cru à ce qu'il nous a présenté comme programme. Et après qu'il soit porté à la tête de cette province, nous sommes rendus compte qu'il s'est écarté de cette vision, laquelle nous a rapprochés de lui. Et par conséquent, nous avons tiré toutes les conséquences. Aujourd'hui, nous croyons qu'il faut qu'il rende le tablier et donner la chance à la province de se choisir un nouveau dirigeant. Très bien, je rappelle que vous êtes passé également par la RTNC2 et vous faites partie de ces gens qui m'ont accueilli quand je suis venu à la RTNC2. Alors, où on doit vous situer médiatiquement parlant aujourd'hui? Effectivement, j'étais à la RTNC, c'est la maison qui m'a vu naître. Mmh. Quand j'étais à l'IFASI, je venais de temps en temps à la RTNC. Depuis 2013, j'avais eu ma lettre de stage, de collaboration. Mmh. Et après un moment, les choses ne se sont pas tournées telles que je l'aurais voulu. Et je me suis décidé de quitter la RTNC pour m'engager dans une vie tout autre. Depuis lors, j'ai mis en place à l'époque le site d'information alternance.cd. C'était un rêve, un risque, mais aujourd'hui, le site totalise presque 2 ans et demi. Ce qui me paraît une petite réussite, même si nous n'avons pas encore atteint l'objectif que nous nous sommes assignés. Donc, moi, je suis un patriote. Je suis un journaliste, comme vous l'avez dit, de formation et de profession, un patriote. Et je suis un observateur indépendant. C'est-à-dire, je suis au milieu. Et ce qui est bon, nous allons apprécier. Ce qui n'est pas bon, nous allons les condamner. Très bien, on va parler de l'actualité. D'abord, la démission de Célestin Toundéaka Sendé. Enfin, les Yemei, tels que Tunda l'avait préconisé lors de son interpellation au niveau de la Cour de cassation, n'a pas pu intervenir pour lui. Tunda quitte le gouvernement. Non, mais écoutez, lorsqu'il a parlé de Yemei, il s'est donné un coup lui-même parce qu'il a tenté d'associer son mentor, son autorité morale à une situation d'immoralité, une situation d'abus de confiance. Et il ne pouvait que vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Pour rappel, Toundéaka Sendé a violé, en tout cas, le pouvoir du Conseil des ministres. Il s'est donné le pouvoir qu'il n'en a pas. Il s'est donné les attributions qu'il n'a pas sur une question qui n'a jamais fait l'objet d'un débat et d'une délibération au Conseil des ministres. Lui s'est donné le luxe d'écrire en lieu et place du gouvernement de la République à l'Assemblée nationale. Mais et comment c'est là... C'est là, j'en arrive, avait suscité la colère du président de la République, qui d'ailleurs avait quitté le Conseil des ministres avec dans une certaine... Même si on a essayé d'habiller les choses, voilà. Non, il avait... Non, il était fâché et il avait quitté brutalement le Conseil des ministres. Nous, à l'époque, nous l'avons dit, que le chef ne s'énerve pas en public. Mais si cela a été vécu comme tel, il faudrait qu'il y ait des conséquences, qu'il y ait des sanctions. Nous n'avons pas demandé autre chose au ministre Toundéaka Sendé que de rendre le tablier pour que l'autorité du chef de l'État soit respectée. Il a d'abord résisté. On ne peut pas être dans une république où un ministre a écrit au nom et pour le compte des ministres sans en avoir au préalable l'autorisation du gouvernement et que le chef de l'État soit au courant sans qu'il y ait des sanctions. Mais comment lui, cette attitude, tout juriste qu'il est, il pouvait commettre une telle bêtise? Mais c'est un peu les genres, les styles de ceux qui nous ont gouvernés pendant plus de 18 ans. Ils étaient dans une certaine largesse et dans une certaine légèreté et ils ont cru que les temps n'ont pas changé. Non, les temps ont changé, même si la gestion actuelle n'est pas efficace, mais ce n'est pas le même leadership au sommet de l'État. Donc, c'est une sorte de légèreté à laquelle ils étaient habitués et il a cru qu'il va le faire sans qu'il y ait des sanctions. Malheureusement, il y a eu une sanction contre lui, c'est-à-dire la démission. Mais bien plus, moi je crois que la série des démissions ne devrait pas s'arrêter là. C'est lui qui devrait en principe aujourd'hui démissionner après Toundéaka Sendé, c'est le Premier ministre. Parce que vous savez... Et pourquoi il est Premier ministre et devrait démissionner? Parce que dans sa correspondance adressée au chef de l'État, il a manqué du respect à la première institution du pays. Il a menacé le président de la République, notre président, de démissionner au cas où il continuerait à mettre de la pression sur ou à s'énerver contre ceux qui commettent des bavures. C'était quelque chose d'inadmissible. Est-ce d'ailleurs. Il est Premier ministre pour le compte du FCC ou pour toute la République? Je vais en arriver. Est-ce qu'il comprend ça? Je vais en arriver. Un proche du président de la République, en la personne de Katki Tengeyezou, qui est... les conseillers spéciaux du chef de l'État, il a d'ailleurs fait a même une réplique traité le propos du Premier ministre d'une insolence notoire.
Autant que nous avons demandé la démission à Tundaya Kassindé, nous continuons à demander la démission du Premier ministre qui a manqué du respect au président de la République. Ici, nous ne voyons pas Félix Tshisekedi, parce qu'il est l'individu qui se confond avec la première institution du pays. Nous voyons la marque de l'institution, président de la République, qui a été sabotée, humiliée par le Premier ministre, et il doit tirer toutes les conséquences. Parce qu'on ne peut pas tolérer dans une République où le poste du président de la République est sacré, qu'un Premier ministre qui a comme chef hiérarchique et direct le président de la République puisse manquer du respect à son autorité et que cela puisse passer inaperçu. C'est un acte que nous déplorons et qu'il faudrait que le Premier ministre puisse rendre le tablier, parce que s'il ne le fait pas, ça va créer un précédent et nous allons vivre dans une République où il y a le ministre, il y a le Premier ministre, où il y a le président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs qui l'avait recadré à l'époque, où des gens comme ça s'entraînent au chef de l'État, à l'institution président de la République, sans qu'il y ait des sanctions. Voilà, on doit dire aujourd'hui que la coalition FCC-CACH divise. Il y a d'abord au sein du gouvernement les ministres CACH et les ministres FCC. Vous avez même suivi la réaction des ministres CACH après la lettre du Premier ministre écrite au président de la République. Mais finalement, jusqu'où on ira avec cette situation? Voilà, il y a une façon de voir les choses qui est simple. C'est-à-dire que, vous voyez, les partis politiques sont des faits privés. Des faits privés qui font la conquête du pouvoir. Une fois le pouvoir conquis, ils délèguent les représentants dans les institutions de la République. Ceux derniers n'ont pas le droit d'aller représenter leurs plateformes au niveau des institutions parce qu'ils sont au service de la nation. Ces principes n'est pas respecté par... Est-ce qu'ils comprennent ça? Ces principes n'est pas respecté par la coalition au pouvoir qui dirige le pays, où on nous donne l'impression, d'un côté, nous avons les ministres du CACH, et même les 10, et l'action du Premier et ministre du FCC. Vous avez vu lors de cette lettre ou de ce communiqué du Premier ministre où il s'est retiré avec un certain nombre de ministres du FCC, selon lui, et que quelques jours après, le ministre du CACH sont venus dire fait une déclaration. Que nous nous désolidarisons de ce communiqué du Premier ministre. Cela donne l'image d'une coalition immature, d'une coalition irresponsable, des acteurs politiques qui ne comprennent rien, qui croient qu'ils sont là pour représenter. Est-ce que cette situation ne risque-t-il pas en lieu et place de travailler pour la nation? Donc, nous sommes dans une situation d'antipatrie. Et pour moi, j'estime que cette coalition, comme je l'ai toujours dit, elle est immature, elle est une coalition diabolico-politique et elle n'a pas le droit de continuer à exercer ou le droit de continuer à diriger notre pays. Vous voyez combien de temps, combien de fois, je l'ai dit au début, nos frères de l'Est souffrent, nos frères de l'Ouest souffrent. La situation à Kinshasa est chaotique, l'insécurité à Kinshasa est généralisée par les Kuluna qui font la loi, mais que nous avons un gouvernement au sein duquel on trouve des gens qui se revendiquent CACH et FCC, mais qui ne font rien en traitant pour que le Congolais trouve des solutions. Pourtant, ils se réunissent tous les vendredis. Problème. Alors moi, je me demande, qu'est-ce qu'ils discutent au sein de ces conseils des ministres? Tout ce qu'ils font... Bon, écoutez, les conseils des ministres aujourd'hui ne me paraît pas très efficace dans la mesure où, vous voyez, la situation sociale des Congolais s'est détériorée. Nous sommes aujourd'hui les dollars, un dollar américain s'apprécie pratiquement à 2000 francs, alors que nous avons un gouvernement qui doit travailler pour qu'il y ait la stabilisation du cadre macroéconomique, pour qu'il y ait ce qu'on appelle la valorisation du franc congolais. Le franc congolais a perdu sa valeur avec la conséquence sur le pouvoir d'achat de population. Donc, cette situation de misère généralisée passait inaperçue, du moins, d'après mon point de vue, auprès de ceux qui nous dirigent. C'est pourquoi j'ai dit que cette coalition, elle est une matière. Elle ne travaille pas pour les intérêts des Congolais. Elle ne travaille pas pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et la conséquence la plus immédiate est qu'il faudrait que le peuple se prenne en charge, demander des comptes à cette coalition pour que la situation puisse changer. Vous prenez, nous sommes quasiment à deux ans plus tôt, après son élection à la tête du pays, mais la situation des Congolais ne s'est fait que détériorer. Quelque part, on va dire qu'il serait bloqué par l'FCC, mais il faudrait avoir des stratégies pour contourner cette machine occulte qui est en train de le bloquer par rapport à toutes ces actions. Faute de quoi, en tout cas, nous allons lui réserver, nous, peuple, je parle, de la même sanction qui a été réservée aux gens du FCC
lors de la dernière présidentielle. Alors, Tounera Sindé quitte le gouvernement. On aurait appris, selon certaines sources, que les FCC auraient proposé le nom de Boshab Eminakou pour lui remplacer. Les présidents auraient dit non, il ne veut pas des personnes sur qui pèsent des crimes économiques, judiciaires et même administratifs. Alors, qui aujourd'hui au FCC peut remplacer valablement Célestin Toundé à ses postes? Non, mais écoutez, vous voyez, il y a beaucoup de gens au sein de... Du FCC, je ne vais pas faire ici les porte-parole du FCC, mais déjà vous voyez la mauvaise volonté. Oubem Inakou qui a échoué à l'Assemblée nationale où il n'y avait aucune initiative des sanctions de contrôle contre les gens qui gèrent le gouvernement. Il a échoué, il a un mandat chaotique. Et chez lui là où il a été... À Idiofa. Chez lui à Idiofa, il n'y a même pas une bonne école. Toutes les écoles sont en paille. Comment cet homme-là, qui a échoué, vous voulez lui remettre, vous voulez lui donner le ministère de la Justice? Un homme non seulement qui mais a échoué... Mais tous ces jeunes qui passent aujourd'hui à la télé pour parler pour les... Attendez, j'en arrive. Un homme qui, je vais vous démontrer pourquoi Oubem Inakou ne mérite pas ses postes. Un homme qui venait de proposer deux lois qui ont fait couler d'encre et de salive. C'est à cet homme-là que vous voulez remettre... Qui ont fait couler même les sangs. Mais effectivement, il y a des gens. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a des maisons qui ont été incendiées. Il y a des commerces qui étaient bloqués ce jour-là. Vous vous imaginez les dégâts économiques qui ont été causés par la loi Oubem Inakou Sakata. Tout ça, on n'en tient pas compte. C'est à cet homme-là que vous voulez remettre le ministère de la Justice. Ce sera chaotique. Et quelque part, vous parlez de Boshab. Mais vous savez, à l'époque, on criait quand Boshab entrait au Parlement. Voler n'est pas bon. Vous savez ça. Vous savez ça. C'est à cet homme-là que vous voulez donner des responsabilités. Donc, si le président de la République a refusé de nommer ces deux individus, je lui donne raison, parce qu'au FCC, il n'y a pas que ces deux individus. Il y a de jeunes au PPRD, et actuellement, au FCC, qui peuvent valablement représenter. C'est le nom de Patrick Kanga qui est cité. Bon, si le nom de Patrick Kanga est cité, qu'il a le profil, je ne vois pas pourquoi on lui refuserait ses postes, et d'autant plus qu'il a les atouts. Vous voyez, par moments, il faudrait que la jeunesse soit valorisée. Si Joseph Kabila m'entendait de là où il peut être, et maintenant, il doit comprendre que ses vies lui ont dû en erreur. Et aujourd'hui, il devrait placer sa confiance. Est-ce que Kabila lui-même, il comprend ça? Aux jeunes avec les... qui peuvent faire mieux que les vieux, vous avez, à qui il avait donné confiance pendant les vous avez vu avec les dernières nominations dans les entreprises publiques, les Mende qui sont revenus, les Makila. Mais tous ces jeunes qui sont au FCC, je cite ici, les Thierry Mosséné, les Yves qui sont... Mais est-ce que Kabila ne peut pas un jour responsabiliser ces jeunes en lieu de place des vieux comme Makila, déjà qui est... député provincial, national, sénateur, on va encore les nommer PCA ici, à la SCTP, Mende, consort. Mais à quoi servent tous ces jeunes membres du FCC? C'est pourquoi nous nous disons que la coalition doit disparaître. Parce que Tshisekedi est prise en otage par Kabila, vous voyez, dans le cadre de l'alliance. Et c'est là que vous me citez tout à l'heure, avant que je puisse développer la thèse sur les capacités de la jeunesse à gérer la chose publique. Vous citez Moussinepo, mais Moussinepo ne mérite pas de diriger, ne serait-ce que des jours, une institution de notre pays. Comment ça? Il a agressé un diplomate américain, il a agressé quelqu'un à l'aéroport, vous voyez, pour besoin d'image. Thierry Moussinepo ne devrait pas être nommé quelque part dans ces pays. Vous voyez? Quelqu'un qui part agresser un diplomate en plein jour. Vous voyez? C'est pas moral, ça. Vous me citez Yves Kissombe, mais Yves Kissombe, vous vous rappelez à l'époque, peut-être que nous étions encore étudiants, il avait insulté copieusement une dame journaliste. C'est à cet homme-là qu'on peut donner confiance. Non, pas du tout. Il y a bien d'autres jeunes. Les Papi Tamba, les Makoloro Tambola. Ceux qui sont connus comme les Tamba, les Kanga et les autres. Les Makoloro Tambola. Bon, il est trop fanfaron, je ne crois pas trop à ses capacités intellectuelles. C'est quelqu'un qui était un opportuniste, qui était opposant de Kabila en Europe. Et il l'avait insulté, il revient au pays, il s'est fait pasteur sans église. Et celui-là, non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il sera à la hauteur de gérer quelque chose dans ce pays. Il y a des jeunes au FCC qui peuvent gérer la chose publique. Et il appartient à Joseph Kabila de choisir parmi ces jeunes qui ont de grands diplômes, ont de grandes compétences, de leur donner confiance pour qu'elles aussi puissent prouver de quoi ils sont capables. Parce que l'expérience, c'est quoi? Ces vieux ont accompagné Joseph Kabila pendant plus de 18 ans. Quelle année le résultat? C'est chaotique. Mais il faudrait que Kabila pense. Il faudrait que Joseph Kabila pense au rajeunissement du FCC.
et de tout ce qui tourne autour de lui. Vous voyez le choix qu'il a fait sur Mende et Makila. D'abord, Makila qui est impliqué dans une histoire de 500 millions de dollars de la Réogar ou de la Réopar, je ne sais pas moi. Et Mende qui a détruit les Sankourou. Nous n'avons jamais cessé de le dire, mais c'est à eux qu'on a des responsabilités. Non, ça, on ne sait rien. C'est pourquoi je dis, à un certain moment, je ne crois pas au leadership du président de la République. Parce qu'autant il a refusé les Bouchab et les Minakou, il aurait dû, il faut le dire comme ça, refuser de nommer Mende. Il aurait dû refuser de nommer Makila. Parce que ce ne sont pas des personnes ce ne sont pas des personnes qui ont une bonne image auprès de notre opinion. S'il l'a fait, c'est par pression politique et il ne pourra rien faire dans cet état de choses. On ne peut pas gérer un pays comme le nôtre tout en étant soumis totalement à une alliance. Il faudrait qu'il puisse se démarquer. Il faudrait qu'il puisse devenir le vrai président de la République, comme l'avait dit le cardinal Ambongo dans une chaîne internationale. Il faudrait que notre Félix Tshisekedi devienne véritablement un président de la République. Le jour où il le sera véritablement, comme l'a dit Ambongo, il ne va pas se soumettre à Joseph Kabila. Parce qu'à l'époque, Joseph Kabila exigeait 3 noms pour un poste. Mais pourquoi lui ne peut pas le faire aujourd'hui? Où est parti le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État? C'est Kabila qui propose un seul individu et lui est obligé d'entériner le choix. Il faudrait qu'il fasse prévaloir ce qui était prévalu hier quand on parlait de 3 noms et on parlait du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il faudrait que cela soit effectif aujourd'hui. Il faut qu'il demande à Joseph Kabila de proposer à chaque liste 3 noms. Un vieux, une dame et un jeune. Comme ça, lui aura la possibilité de faire un choix. On ne fait pas un choix sur une personne comme il a fait avec... on lui envoie Bouchab, ou on envoie Mende, ou on envoie Makila. Non, il faut qu'il y ait 3 personnes. Et sur ces 3 personnes, il pourra porter son choix sur une personnalité qui peut, à tant soit peu, comprendre la volonté qu'il a de changer le Congo et comprendre les soucis que les Congolais ont de ces pays et qu'elle a comprendre aussi la souffrance de notre peuple qui n'en a que trop. Très bien, on va prendre le deuxième thème de l'émission. Mesdames et messieurs, on va parler de l'entérinement par l'Assemblée nationale de Ronsard Malonda comme président de la CENI. Cette décision qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait couler aussi les sang et qui a même fait en sorte que certaines personnes, certains Congolais, certains compatriotes puissent perdre leur vie. On en parle avec Patrick Lokala. Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui dans la désignation ou dans l'entérinement par l'Assemblée nationale de Ronsard Malonda comme président de la CENI? Est-ce que c'est la personne de Ronsard Malonda qui dérange? Est-ce que ce sont les confessions religieuses pour n'avoir pas atteint pour certaines leur but qui dérange aujourd'hui? Je vais partir étape par étape. Vous dites d'abord, est-ce que c'est la personne de Malonda qui dérange? En quelque sorte, oui. Pourquoi? Parce que Malonda a été avec Malou Malou et on connaît les résultats des élections de l'abbé Malou Malou. Malonda était avec Ngoï Moulunda. Nous connaissons tous les résultats des élections de Ngoï Moulunda. Malonda était avec Corné Nanga, secrétaire exécutif de Surkwa. Nous connaissons les résultats de ces élections. Oh, donc, les doutes de ceux qui pensent qu'il ne pourra pas faire mieux que ces derniers est évident. Donc, moi, je ne peux pas dire non à ceux qui pensent que... Dès lors qu'il a été avec ces gens, il ne sera pas à mesure. Moi, je ne peux pas les contredire parce qu'il a passé beaucoup de temps avec eux. Il a participé dans toutes les fraudes, disons. Je n'ai pas dit fraude. Il a participé dans une mesure, dans beaucoup de choses par rapport à l'organisation de nos élections qui n'ont jamais été de bonnes élections. Donc, ceux qui croient qu'il ne pourra rien faire peuvent avoir raison. Est-ce que ce sont les confessions religieuses qui pose problème? Oui, les confessions religieuses posent effectivement problème parce que d'abord, ces confessions religieuses, moi, je l'ai décrié il y a quelques temps. Vous voyez le scène qu'on nous offre ce dernier temps par les pasteurs. Vous voyez, il y a des pasteurs qui se font filmer nus et les images de leur nudité sont sur les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs escrocs, il y a des pasteurs qui sont dans des fétiches. Je ne vais pas citer les noms ici. Et c'est à ces gens-là que vous allez demander de sortir un représentant qui peut venir changer les choses. Non, pas du tout. Et quelque part, lorsque nous regardons le processus qui a abouti à la désignation de Ronsard Malonda, le processus n'a pas été clair et sincère. Parce qu'ils étaient au départ à 26, ils se retrouvent à 3,
Mais les cardinals en Bongo, je vais vous démontrer la responsabilité des cardinals en Bongo par rapport à tous ces désordres. Mmh. Le cardinal en Bongo, d'ailleurs, je note ici que je suis catholique. Okay? Le cardinal en Bongo élimine son propre candidat qui est de l'Église catholique. Il dit il n'a pas le profil, il n'a pas les capacités pour gérer la CENI. Il élimine. Et quelques minutes plus tard, on fait remarquer aux confessions religieuses que le candidat de SCC était candidat à l'élection législative. Pour le compte de la Mouka. Pour le compte de la Mouka. Et la loi dit qu'on ne peut pas devenir président de la CENI ou candidat président de la CENI lorsqu'on a été pendant les 5 dernières années membre d'un parti politique, mais pas seulement ça, candidat à une élection. Ce qui fait que ce principe a fait tomber le candidat de l'ECC. Donc ça, Malone est resté seul. Le cardinal Moussengo se retrouve dans un fait accompli. Ambongo. Le cardinal Ambongo se retrouve dans un fait accompli. Il cherche à réintroduire le candidat de l'Église catholique, dont lui-même avait écarté pour faute de compétences, pour faute de capacités, pour manque d'un profil d'un président de la CENI. Et c'est à ce moment que les choses se sont tournées au vinaigre. Il s'est rendu compte que c'était impossible de changer les choses. Donc, Rossard Malonda s'est retrouvé seul devant ses électeurs. C'est pendant ce moment que le cardinal Ambongo claque la porte et convoque les médias où il fait une déclaration fracassante en disant il y a de la corruption dans le processus de désignation du président de la CENI. Et la situation s'est emballée. Donc, à ce point de vue, il faut dire, il faut noter que le désordre est venu du cardinal. Que ce que nous constatons aujourd'hui, la présence de Rossard Malonda, ou soit la désignation et son entérinement par l'Assemblée nationale, est la suite de manque d'appréciation et de lucidité de l'Église catholique qui a cru bien faire les choses alors qu'elle a fait rater à notre peuple d'avoir au moins quelqu'un de crédible. Et la situation tourne au vinaigre aujourd'hui. Donc, la responsabilité première que nous devons établir ici, cette responsabilité, elle est à mettre sur le compte du cardinal Ambongo qui a éliminé d'autres candidats et cela a eu de conséquences. C'est ce que Rossard Malonda s'est retrouvé seul devant ses électeurs. Donc, il faut dire ici que ce qui arrive, il faut interpeller vivement, j'insiste sur cette question, il faut interpeller vivement le cardinal Ambongo qui nous a placés dans une situation d'inconfortabilité, dans une situation de désordre où nous décrions aujourd'hui non seulement les marches, mais aussi des sangs qui coulent et même des morts. Mais tout le monde laisse le cardinal Ambongo à l'aise. La semaine passée. C'est là où je ne comprends pas. Tout le monde ne veut pas voir la responsabilité du cardinal. Mais quel est aujourd'hui? Alors que c'est lui qui nous a conduits dans ces désordres. Alors moi je pense, par rapport à la suite des événements, je l'ai même dit quelque part, que la manifestation qu'on organise contre Malonda, à mon humble avis, ne sert à rien. L'UDP a marché la semaine passée, on a connu les cas des morts, Malonda est toujours là. Ça n'a rien changé. Parce que la Mouka est également aujourd'hui dans la rue. On va marcher encore, on marche encore aujourd'hui, il y a une forte mobilisation au niveau de la Tchadou. Jean-Pierre Bemba était aussi sur terrain. Malonda est en place. Pourquoi je l'ai dit? Inamovible. Pourquoi j'ai dit que... Pas inamovible, mais il est encore là, malgré les manifestations. Il est encore là. Pourquoi j'ai dit que le marche de l'opposition ne servait à rien par rapport à cette situation de Rossard Malonda? Parce que j'ai rappelé ailleurs, pas ici, mais je vais le dire encore ici. Allez-y. Que lorsque vous prenez les contestations qu'on avait faites en 2011, il y a l'UDP qui marchait, les manifestations de chaque jeudi. Voilà. L'objectif était l'audi du serveur central. Chaque jeudi, marche. Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Mais il y a des gens qui ont perdu des vies humaines. Il y a des gens qui ont vu leur vie être détruite. Il y a des gens qui sont restés avec des traces de cette immaturité politique. Et rien n'avait changé. Je prends le cas de 2018. On a marché contre la machine à voter, machine à voler, machine à tuer. Nanga est resté inamovible. Nanga est avec son candidat dans la poche. Il est resté droit dans ses bottes et rien n'a changé. Martin Fayulu avait résisté. Nous n'irons jamais aux élections. Jusqu'à la dernière minute. Avec la machine à voter. Rien n'avait changé. Jusqu'à la dernière minute, il est allé voter. Avec la machine à voter. Dans la même machine que lui-même était en train de contester. Donc, moi, j'ai dit hier, dans une émission, que l'opposition a un problème de stratégie. On a un problème de stratégie à l'opposition, parce que si on avait compris
et on avait tiré les erreurs du passé, on n'aurait pas dû envoyer les gens dans la rue marcher contre Osama Londa. Quelle est la piste? Quelles sont les perspectives? Comment on peut sortir de cette situation? Moi, j'ai proposé des choses. Allez-y. À ceux-là qui estiment, parce que moi, je ne dis pas que je suis contre Osama Londa, ou pour, parce que je suis journaliste, je dois être neutre. Je ne suis ni contre, ni pour. Mais je pense, pour ceux qui croient que la désignation, le processus de désignation de Osama Londa a été émaillé de beaucoup d'irrégularités, ils n'ont qu'à aller porter plainte, ils n'ont qu'à aller devant les instances judiciaires. Et à ce moment-là, les instances judiciaires vont dire si, oui ou non, le processus a été émaillé d'irrégularité. On va donner la raison à celui qui va la mériter, on va donner tort à celui qui va les mériter. Ça, c'est la première solution. La seconde solution, c'est laquelle? Rossard a été désigné par les confessions religieuses, entériné par l'Assemblée nationale. Et peut-être plus tard, il sera investi par l'ordonnance du président. Je crois qu'à mon humble avis, la solution, c'est quoi? C'est d'aller vers cet homme. Lui dire que voilà que la population dit non à votre désignation et entérinement. Il faut sauver le Congo. Si vous êtes patriote, nous vous demandons de rendre les tabliers, nous vous demandons de vous désister. C'est possible, il peut se désister. Et à ce moment-là, il va donner l'occasion aux confessions religieuses de se choisir, de se désigner un autre représentant. Ça, c'est des solutions que je propose. On va tourner en rond et on va faire le jeu. On va faire le jeu des gens qui sont derrière Osama Londa. Ces gens-là ne sont pas ailleurs. Ce sont des Congolais qui sont derrière Osama Londa. Ils trouvent leurs intérêts derrière Osama Londa. Et si nous ne nous faisons pas, attention et que si nous n'optons pas pour ces deux solutions que je viens de proposer, Osama Londa sera un jour investi par ordonnance du président et on va déplorer, on va continuer à dire non, voilà, il y aura hold-up, il y aura fraude, mais entre-temps, on n'a pas eu une bonne stratégie pour mettre fin, ou soit pour contourner, pour stopper cette démarche qui semble être certaine, laquelle peut nous conduire à la fraude électorale. Très bien, l'émission est terminée, il y a quand même trois questions qui taraudent mon esprit. D'abord, quelle est aujourd'hui la responsabilité de l'Assemblée nationale? Est-ce que sa décision d'entériner Osama Londa comme président de la CENI était-elle précipitée ou il y a quand même des calculs politiques qui se cachaient là derrière? Et puis, je m'en vais aussi vous poser la question de savoir, Sonny Kafuta, qui n'était pas président de la séance, qui désignait plutôt Osama Londa comme président de la CENI, s'est permis de transmettre les procès verbales à l'Assemblée nationale, alors que c'est les cardinal Ambon qui devrait signer ces procès verbales. Et enfin, quel est... Je réponds d'abord à ces deux questions, s'il vous plaît. La première question, vous dites... La responsabilité de l'Assemblée nationale. La responsabilité de l'Assemblée nationale. D'abord, c'est politique. L'entérinement de Osama Londa est politique. Dans quelle mesure? Cette Assemblée nationale est composée en majorité par l'FCC-CACH. Aujourd'hui, il y a que les FCC qui s'y réunissent. Je vais vous montrer des signes. Je vais vous montrer des signes. Vous le dites si bien. L'Assemblée nationale est composée en majorité par l'FCC. Et vous voyez que ce sont les membres du FCC qui défendent Osama Londa. Donc, l'Assemblée nationale qui est composée par l'FCC, qui trouve leurs intérêts dans la personne de Osama Londa, ne pouvait que précipiter son enterrement. Parce que c'est politique. Ils savent que s'il est là, il pourrait leur être utile. Voilà pourquoi ils ont entériné. Donc, cet entérinement, il a été politique. Il n'y a rien de précipitation, mais il a été politique. Voilà. Sonny Kafuta. Est-ce qu'on peut poursuivre Sonny Kafuta? La responsabilité de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est ce qui arrive à ces gens qui ont perdu la vie. Vous voyez, l'Assemblée nationale est responsable de vies humaines perdues. L'Assemblée nationale est responsable des casses. L'Assemblée nationale est responsable de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, une situation de désordre. Et par rapport à Sonny Kafuta, c'est justement là où j'ai dit que nos églises ont un problème de moralité. Est-ce qu'on peut les poursuivre pour faux et usage de faux? Je ne vais pas le dire, mais tout ce que je vais dire, c'est que nos églises ont un problème de moralité. Nous savons très bien que pour déposer le rapport ou le PV de la désignation de Osama Londa, cela revenait au président de la commission de la structure confession religieuse, à la personne de Kanem Ambongo, qui avait contesté le processus. Lui s'est permis, en quelle qualité, d'aller déposer les PV au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là où j'ai dit. Et comment l'Assemblée nationale a pu entériner
C'est justement, c'est là où je vous dis ceci, que ceux qui disent que ce processus a été émaillé d'irrégularité, et en voici une, s'ils doivent, au lieu d'aller marcher contre Rosa Malonda, il faut aller devant les instances judiciaires et démontrer devant un juge que voilà l'irrégularité qui ne peut pas être cautionnée par l'Assemblée nationale. La conséquence, c'est quoi? C'est de retirer la décision. Une fois le verdict des instances judiciaires sera rendu, à ce moment-là, on va gagner sur ces gens qui croyaient qu'il fallait entériner politiquement la désignation de Rosa Malonda. Et il y avait une autre question que tu m'as... Très bien. Pourquoi l'opposition doit aujourd'hui organiser des marches si elle sait bien que tout ce qu'elle revendique aujourd'hui, elle ne l'obtiendra jamais? Oui, mais et même l'UDPS qui est au pouvoir a tenté aussi d'organiser une marche et elle a perdu aussi trois de ses membres, selon son secrétaire général. Bon, je l'ai dit, l'opposition congolaise a un problème de stratégie. Là où on ne peut pas marcher, on marche. Là où on doit marcher, on ne marche pas. Par exemple, lorsque vous regardez la situation sociale des Congolais, qui marche dans ces pays? Personne. Le pain a augmenté. Mais il y a l'insécurité à l'Est. Quelques jours, vous avez vu les drapeaux de la République du Kivu. Il y a 50 unités qui s'achètent aujourd'hui à 1200. Et qui a marché par rapport à ça? Personne. Personne. L'insécurité des Congolais, qui a marché par rapport à ça? Personne. Mais voilà une question dont on sait que c'est perdu d'avance. On évite d'aller là où il y a la solution. On veut faire le populisme. Tout ce que l'opposition congolaise fait, c'est le populisme. Parce qu'ils savent, les membres de l'opposition savent que notre population aime les shows, notre population aime les marches, et il faut aller dans ce sens pour se faire une notoriété, se montrer qu'on est sensible face à une question politique. Pourquoi dans ces pays on doit toujours marcher pour des questions politiques? Pourquoi on ne peut pas un jour marcher pour des questions sociales? Pourquoi on ne peut pas un jour marcher pour des questions sécuritaires? Est-ce que notre République est menacée? Il y a même des parties du territoire national qui... On a déjà vu des drapeaux flotter comme un pays. Est-ce que la population elle-même comprend aujourd'hui que les politiques se servent bien, se servent d'elles pour accéder au poste? C'est ce que j'essaie de faire actuellement, de faire comprendre à notre population. Très bien. Les acteurs politiques, de manière générale, se servent d'elles pour arriver au pouvoir. C'est comme un pont. Et arriver au pouvoir, Il faudrait que cette population se prenne elle-même en charge. Il faudrait que cette population fasse ce que les Grecs avaient fait à l'époque, ce que les Tunisiens avaient fait à l'époque, ce que les Égyptiens avaient fait à l'époque. C'est à ce moment-là que la population sera à mesure de proposer ses propres dirigeants, pas ses dirigeants qui sont soit à la solde du pouvoir, soit à la solde des pays occidentaux. Ce sont des dirigeants qui ne travailleront jamais pour l'intérêt du peuple congolais. Il faudrait que la population elle-même se prenne en charge, il faudrait que la population prenne ses responsabilités et envoie ses propres délégués au niveau des institutions de la République. Très bien, l'émission est terminée. C'est quelque chose qui est difficile, mais c'est faisable. L'émission est terminée, Patrick Lokala, il y a une rubrique dans cette émission qui consiste pour l'invité à regarder la caméra qui est juste devant lui, s'adresser au public et si possible, vous pouvez... Passez votre numéro à tous ceux qui voudront bien poursuivre les débats avec vous. D'abord, le numéro, c'est le 081-209-50-59. 081-209-30-59. Voilà, le petit mot que j'ai adressé au peuple congolais aujourd'hui, c'est que notre pays vit sous la menace de la balkanisation. Il y a quelques jours, vous avez vu les drapeaux de la République du Kivu flotter. Vous avez vu le drapeau de la République du Katanga flotter. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Voilà une question qui devrait attirer votre attention, chers compatriotes. Si nous dormons, si nous ne nous réveillons pas du sommet dans lequel on nous a plongé, nous allons nous retrouver un jour avec un pays divisé. Je voudrais encore une fois interpeller votre attention par rapport à la sécurité de notre pays. Notre pays est devenu une sorte d'État où le pays voisin définisse les frontières. Il y a insécurité à l'est du pays, il y a insécurité au niveau de Tanganyika, la frontière avec l'Angola, le Centrafrique. Il faudrait que nous marchions pour ces questions d'intérêt national pour que nos dirigeants puissent faire quelque chose. Et en définitive, je sais que vous traversez un moment difficile, mais je vous invite à comprendre que les acteurs politiques nous manipulent. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à faire comme les Tunisiens l'avaient fait. Je vous invite à faire comme les Égyptiens l'avaient fait.
Parce que si seulement ces politiciens se servent de vous comme des pans, ils ne feront rien pour vous. Il faudrait que vous-même vous vous leviez et que vous puissiez vous imposer pour que les choses changent. Je continue de croire que la coalition au pouvoir ne travaille pas pour les intérêts des Congolais. Je continue de croire que cette coalition au pouvoir est une coalition politico-diabolique qui ne travaille pas pour l'intérêt du peuple congolais. Et je vous invite à vous désolidariser de cette coalition qui ne travaille pas pour l'intérêt du peuple congolais. Patrick Lokala, merci de votre passage. Merci beaucoup. Ça en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir de vous retrouver après pratiquement 4 mois d'absence. Et je profite également de cette occasion pour dire joyeux anniversaire à un aîné, Karis Luzaba Mavungu, quelqu'un de très très bien, les jeunes banquiers. On se retrouve très bientôt pour un petit verre, vous et moi. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.